Salut à tous amis gamers, amis gameuses, c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça faisait très très longtemps que l'on s'était pas retrouvé pour une petite vidéo. Alors pour être honnête avec vous, j'en avais un petit peu perdu l'envie et je trouvais pas vraiment de jeu assez intéressant, on va dire, à mon goût pour relancer la chaîne. Jusqu'à la sortie de ce petit jeu dénommé Hood Outlaw and Legend. Alors désolé pour mon anglais. Qui m'a hypé, pas plus que ça à travers ces nombreux trailers que l'on avait pu voir. Mais j'ai fini par craquer à la veille de sa sortie en accès anticipé grâce à ses mécanismes qui sur le papier me paraissaient malgré tout plutôt intéressants. Et vous allez voir, ce Hood Outlaw and Legend a pas mal de qualités à faire valoir, même si au final tout n'est pas à 100% convaincant malgré l'originalité et les bonnes idées du titre. Mais avant de rentrer dans les détails et les mécanismes du jeu, il est à mon sens important de préciser que Hood Outlaw and Legend se déroule dans un univers bien connu de tous car il s'agit de l'univers de Robin des Bois. Alors, même si pour le coup le jeu l'a un petit peu revisité. En effet, le titre est bien plus sombre, bien plus violent que ce que vous pouvez connaître de l'univers de Robin des Bois, même si parmi les personnages jouables, vous allez retrouver le fameux Robin et la fameuse Marianne qui, au passage, a laissé derrière elle son rôle de princesse pour faire place à une sorte d'assassin sans scrupules. Voilà pour la petite présentation de l'univers. Maintenant, venons-en à ce qui nous intéresse le plus, tout du moins pour ceux ou celles qui ne se sont pas du tout intéressés au titre jusqu'à là, c'est-à-dire le but du jeu. Alors, pour ce faire, je vais tenter de vous l'expliquer de deux manières différentes. Alors, premièrement, de manière extrêmement simple, et ensuite je rentrerai un peu plus dans les détails histoire de vous expliquer toutes les subtilités du titre. Commençons par la version courte. Alors dans Hood Outlaw and Legend, vous allez devoir faire équipe avec 3 autres joueurs afin de récupérer une clé sur le shérif des lieux. Une fois la clé en votre possession, vous allez devoir trouver la pièce où se trouve un joli coffre au trésor pour ensuite l'extraire en l'amenant à l'un des 3 points proposés sur la carte, ce qui vous fera gagner la partie. Donc jusque là, rien de très difficile. Mais vous vous doutez bien que tout n'est pas aussi simple. Tout d'abord, vous allez devoir vous confronter à une multitude d'archers et de chevaliers positionnés aléatoirement sur la map qu'il vous faudra éliminer discrètement sous peine de vous faire repérer et déclencher l'alerte. Et si alerte il y a, vous risquerez de perdre énormément de temps pour tenter de récupérer la clé au plus vite sur le shérif car il vous faudra vous débarrasser des nombreux ennemis qui ne se priveront pas de vous charger et qui n'hésiteront pas à baisser les herbes du château vous forçant à effectuer de nombreux détours. Pire encore, si vous déclenchez l'alerte, vous indiquerez votre position à l'équipe d'en face qui partage exactement le même objectif que vous car oui, Hood Outlaw and Legend est un jeu PVE, PVP, un peu de la même manière qu'un certain Hunt Showdown. Pour en gros vous expliquer les choses de la manière la plus simple possible, le jeu est partagé en 2 phases bien distinctes. Durant la première phase, chaque équipe feront leur petite popote de leur côté dans le but de localiser le shérif. Le shérif qui au passage, vous ne l'avez pas précisé, est obligatoirement contrôlé par l'ordinateur. Un joueur ne peut pas contrôler le shérif. Et le shérif ne peut pas être tué un peu de la même manière que Jason dans Vendredi 13. Il peut juste être stunt, mais vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Enfin bref, je reviens à ce que je disais. Une fois donc le shérif localisé et une fois la clé récupérée sur lui, il vous faudra donc trouver le coffre et le récupérer, ce qui pour moi mettra fin à la première phase. La deuxième phase concerne principalement l'extraction, car une fois le coffre placé sur l'un des 3 points d'extraction de la map, la zone est visible pour tous les joueurs, ce qui transforme le jeu en affrontement PVP. Car vous vous doutez bien que rien n'est fait pour vous faciliter la tâche. Il vous faudra un certain temps et de la coordination pour extraire le coffre une fois positionné. Alors attention, il arrive parfois dans certaines parties que les 2 phases se mélangent. C'est d'ailleurs régulièrement le cas, car comme je vous l'ai dit précédemment, si vous vous faites repérer par les PNJ, cela indique votre position à l'ennemi et cela même si vous n'avez même pas encore trouvé le shérif. Et c'est peut-être là que l'on trouve le premier défaut du jeu car à mon sens, même si ça sera toujours bénéfique de privilégier la discrétion, je trouve que le jeu ne punit pas assez le rush. Il m'est arrivé dans pas mal de parties que mon équipe ou l'équipe adverse rush l'objectif sans se soucier de se faire repérer, transformant la map en gros champ de bataille et rendant la partie complètement bordélique. Fort heureusement, alors attention, cela reste malgré tout à confirmer sur le temps, j'ai l'impression que cela s'est atténué sur la journée à force de retomber sur des joueurs plus expérimentés. Pardon. Surtout qu'au final, le jeu est fortement pensé pour la coordination, je n'ai pas encore pris le temps de vous en parler, mais vous vous doutez bien
que chaque personnage a ses propres compétences et fonctionnalités. Robin pourra par exemple tirer une flèche explosive ou faire tomber des cordes avec son arc afin de vous permettre d'escalader certains murs, tandis que John, le tank du jeu, enfin le tank de l'équipe, pourra de son côté soulever des herses fermées à cause justement du déclenchement de l'alerte. Enfin bref, vous l'aurez compris, chaque personnage a clairement sa propre utilité dans l'équipe et former un groupe homogène vous permettra d'avancer de manière plus efficace. Mais malheureusement, en tout cas tout du moins pour le moment, les développeurs n'ont pas forcé les joueurs à toujours aller dans ce sens. Pour preuve, si vous choisissez un personnage, ce dernier n'est pas verrouillé, ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver avec une équipe de 4 Robins par exemple. Alors certes, ça vous permet de toujours jouer le personnage de votre choix, mais à mon sens, c'est plutôt une très mauvaise idée. Comme autre défaut, on peut aussi souligner le système de combat qui n'est pas non plus des plus modernes, même si je pense que c'est une volonté des développeurs afin de forcer le joueur à respecter leur rôle. Car vous vous doutez bien qu'un Robin qui est un personnage orienté distance face à un personnage orienté corps à corps ne fait pas vraiment le poids. Maintenant, franchement, et malgré tous ces défauts, en m'appuyant sur ma petite expérience, je peux vous dire que si les 8 joueurs jouent vraiment le jeu et respectent leur rôle, cela donne place à des parties vraiment vraiment intéressantes. Pour tout vous dire, il est même possible de réaliser tous les objectifs sans jamais se faire déranger par l'équipe adverse si vous parvenez toujours à vous la jouer discret. Alors certes, il vous faudra une sacrée coordination, mais ça reste faisable, sachant qu'il est possible de ralentir l'équipe adverse en prenant le contrôle des 3 zones de respawn sur la map, ce qui vous permettra de revenir beaucoup plus vite sur les lieux en cas de mort et qui forcément obligera l'équipe adverse à respawn au fin fond de la map. On sent quand même que les développeurs ont mis tout en œuvre pour rendre le jeu assez stratégique dans l'ensemble. Voilà, je vous propose maintenant de terminer cette vidéo sur le contenu du titre. Premièrement, il est important de préciser que chaque personnage dispose de compétences à débloquer, de nouvelles tenues, de skins d'armes. À la fin d'ailleurs de chaque partie, vous aurez le choix entre repartir votre butin, entre donner l'argent au peuple, donc ce qui vous permettra d'acheter de nouvelles compétences, ou bien le garder pour vous, pour débloquer les objets cosmétiques. Les développeurs ont aussi communiqué leur feuille de route et on peut dire que le jeu nous garantit un joli suivi pour l'année à venir, car 3 nouvelles saisons sont au programme, accompagnées donc de nouvelles maps et nouveaux personnages. D'ailleurs, un chat devrait arriver dans les prochains jours. Vous aurez aussi la possibilité, bien sûr, si vous le voulez, d'opter pour le fameux pass de combat pour les 3 saisons à venir. Enfin bref, on sent l'envie des développeurs de peaufiner leur jeu. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur le jeu. Pour conclure et pour vous donner un ressenti final, je dirais que ce jeu est plutôt une bonne surprise dans l'ensemble, même si tout n'est pas parfait, loin de là, et qu'il faudrait quelques mises à jour concernant l'équilibrage global, on va dire, et qu'au final, le jeu dépend aussi énormément de la communauté pour être totalement apprécié. Voilà, à présent, je vous laisse regarder la fin de la vidéo tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime ou à commenter, c'est très très important. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, surtout si vous êtes à la recherche de premiers retours sur les jeux de la nouvelle génération. Et puis, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt à présent pour une nouvelle vidéo et je vous remercie du visionnage. C'était Sylar, tchuss. Can kill you. I am ready to get on the scene. Thank you.